Salut tout le monde, c'est Golden et bienvenue sur l'épisode 7 de Craftmania, saison 3. Aujourd'hui, on fait un épisode complètement décoration de la maison. On va déjà changer le sol, je suis allé chercher le bois qu'on adore, le bois, enfin que j'adore, dans l'arbre qui est là-bas. J'ai même pas tout récupéré. Oh là là, il y a un piou-piou qui m'attaque, il est pas très gentil celui-là. Donc j'ai récupéré le bois, on va faire le sol avec, on va faire des nouveaux coffres, on va mettre des coffres partout. On va aménager tout très très bien, on va faire au sous-sol un petit jardin. Jardin avec le blé, les carottes, les patates et même les blueberries. J'ai récupéré quelques blueberries. C'est le genre de petites pousses bleues qu'on voit des fois par terre. Là j'en ai récupéré quelques-unes, c'est vraiment très facile à trouver. Et même on en avait déjà dans les coffres, voilà. On est arrivé. Et puis c'est parti pour déjà enlever tout le sol. Et oui, j'ai aussi fait une hache en emberstone, le minerai du Nether, parce que on a tout le reste en saphir ou en SNGI, qui me manquait juste la hache. Donc je me suis dit autant la faire avec ce minerai là. Et on commence à poser les autres. Oh ouais, c'est trop stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais je trouve ça très très sympathique. Ça change vraiment du bois basique qu'on voit tout le temps du Minecraft de base. C'est vraiment trop classe. Ça fait dark, ça fait sombre. Ok. Tac. Il manquait juste dans ce coin là. Oh là là, j'ai failli tomber dans la lave. Bon, et l'armure que j'ai, peut-être que j'aurais réussi à survivre. Mais vaut mieux pas prendre de risques. Vaut mieux pas du tout. Le lit, malheureusement, on va devoir le... Ah mais non, même pas. On n'a pas besoin de le casser. Il reste en l'air. Ça, c'est une bonne nouvelle. On casse ce bloc-là. Et on finit de poser. Il en reste beaucoup. J'en ai récupéré vraiment énormément. Presque une stack de bûches, il me semble. Ouais, presque une stack de bûches. Et ça y est, tout le sol est fini. Tac, mince. Tac, tac et tac. On avait celui-là. On va voir si ça donne pas mieux en quartz. Mon quartz. Mon petit quartz, il est là. Hop, il faut mettre comme ça. Ça fait 4 blocs de quartz. Pile le chiffre parfait. Alors, est-ce que ça fait mieux avec le quartz ou avec les planches? Eh bien, moi, je trouve que ça fait mieux avec le quartz. Vous voyez, ça fait plus ressortir du blanc sur du foncé comme ça. Ça donne bien. Ça donne très bien, je trouve. Alors, maintenant, on rajoute plein de coffres. Déjà, on en fait 8. Comme ça. Eh oui, j'ai dit plein. Ah oui. On va les remplir vraiment tous à fond. Même on va en faire d'autres. Il m'en reste pas mal comme ça. 4. Là et là. Il faudrait faire un truc pour monter à l'étage. Peut-être des échelles comme ça. On va mettre des échelles. Allez. Des échelles. Allez, les bâtonnets. Maintenant, ça, on sait complètement faire avec le temps. 12. 5, 6, si j'arrive à la mettre, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On peut monter enfin à l'étage. Bon. Alors, eh bien, maintenant, oui, je vais faire un sous-sol. Un sous-sol jardin. Sous-sol jardin, où on descendra par ici. Par ici, avec... Attention, que je tombe pas tout en bas. Là... Voilà, obligatoirement je vais tomber. Attention, c'est bon, ça fait pas tellement mal. Je sais pas à quelle hauteur. Ouais, comme ça, ça peut être cool. Je pense que comme ça, ça peut être bien. Et donc on va faire tout le contour de la maison. Tout le contour de la maison. Donc là on part sur je sais pas combien. 1, 2. Hop. 3. 4, 5, je crois que c'est 9. 5 donc, par là aussi. Je vais remonter voir quand même et je vais mettre une échelle. Des échelles.
des petites échelles. Attention au bois, on en a presque plus. Ouais, bah, au pire, j'aurais pu tout faire. Ça en fait 21. Là, c'est bon. Attention, là, on va encore reprendre des dégâts de chute. Ah, même pas. Ah, c'est vrai, non, c'est vrai, parce que j'étais remonté en escalier. Civri, civri. Tac, tac. On peut reposer. Tac, tac, tac. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ah, c'est bien ça. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est du 9 par 9. Maintenant, on le sait, on était arrivé à 5. Donc 6, 7, 8. Et le 9e, il est fait. Attention à la lave, toujours. 9e. Oh, c'est trop bien ce bois, c'est trop stylé. Franchement, excellent. Vraiment excellent. Ça y est, les 9, c'est fait. 1, 2, 3. Ah, hé hé. Juju s'est fait tuer par un chomper. Ouais, le mode pack, il est vraiment trop abusé quand on n'est pas équipé. C'est trop dur. Maintenant, ça va. On n'a plus aucun problème avec les mobs. Le piou piou, il nous fait même plus aucun dégât. Ah là là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On arrive au bout. Et donc là, on revient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 9, c'est tout. 9, c'est tout. Voilà. Et donc, on revient en face, et on aura fait tout le tour. Après, on aura juste à enlever le milieu, poser de la terre, mettre de la lumière, de l'eau, labourer, poser, carottes, patates, blé. Et tout ça. On va faire ça sur différents étages. Différents étages. Plus tard, celui-là, ça sera blé. On va en faire un en dessous, ça sera patate, l'autre carotte, l'autre verdunaiser. Jusque tout en bas de la map. En laissant tout le temps le même espace en hauteur. Là, pour le coup, c'est 4. 4. Allez, maintenant, on enlève toute la dirt. Alors déjà, la lumière, je dois avoir des torches, il doit me rester des torches quelque part. Voilà les torches. Pour l'eau, il faut faire un seau, quelque part, voilà. Un seau qu'on va aller remplir d'eau. Après, une ou comme ça. Hop. Et on va aller se servir dans le lac. Il y avait pas un lac là par là? Non, ils étaient plutôt par ici. Ouais, il y a un gros lac là par ici. On va aller chercher l'eau dedans. Go. Si j'arrive à passer toutes ces barrières. Hop, allez, ça c'est bon. On re-rentre à l'intérieur. Ah, c'est cool parce que ça empêche les mobs de rentrer, mais des fois on galère un petit peu, nous, à rentrer aussi. On va mettre ça au middle. Normalement c'est bon, ça fait pile le middle, il doit y avoir 4 blocs de chaque côté. C'est ça qui est bon. Normalement, 1, 2, 3, et là. Là c'est cool, là c'est nickel. Alors qu'est-ce qu'on plante ? Carottes, patates et les graines de blé, 35. Là, je crois que c'est bon. Alors, les carottes sur tout ce côté-là. Voilà, et même encore une rangée. Les patates, deux rangées aussi. Et le blé, les trois dernières rangées. Comme ça, bon, l'agriculture, c'est bon, c'est fini. Plus tard, on modifiera les murs. Peut-être le plafond, parce que...
Parce que, ouais, il y a une couche de bois et une couche de cobble. Peut-être plus tard on modifiera le plafond. Ou même on rajoutera un mur complètement, une troisième couche de blocs. Avec un truc qui éclaire, peut-être de la glowstone ou je sais pas. En tout cas, de ce côté-là, c'est tout bon. C'est tout bon. Et puis, oui, alors, je voulais déplacer le portail en haut. Donc là, ça va être très 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 long à récupérer tous les blocs. Donc je fais une ellipse. Oui, une petite ellipse. Allez, à de suite. Ça y est, maintenant que c'est enlevé, on va pouvoir mettre de nouveau 4 socles, mais de ce côté-là, ça fera tout beau, tout bien, tout symétrique. Là aussi, on va faire une autre descente, là, avec une échelle et tout, pareil que de l'autre côté. On verra après, ou même, attendez, je suis à côté, tant que j'y suis. Allez, les échelles, let's go. Du coup, on doit casser ça. Voilà. Alors, le portail, je veux le mettre. Attention de ne pas faire d'erreur. Le portail, tac, tac, je veux le mettre, oui, casser ces deux blocs-là. En plus, c'est nickel, on ne le verra pas du dessous, grâce aux magnifiques bûches. Là, 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 là. Et là, ah, par contre, là, ça sera sur le toit. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ça, on peut l'enlever. Ça sert à rien. On va reposer de la cobble derrière. Petite cobble. Le briquet. J'ai pas le briquet sur moi. On va le rallumer tout de suite. Briquet, briquet, briquet. Mince, je le vois pas. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Il est pas là. Donc je suis aveugle, ça veut dire. Mince. C'est embêtant. Ok, il était là. Désolé. Bim! Bim, bim, bim. Et après, oui, je voulais ravancer le mur de un bloc. Enfin, on va pas le décaler, on va juste rajouter une couche. Comme ça, ça fera aussi symétrique en haut. Tout comme en bas. Là. Tac, 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 tac. Voyons un petit peu ce que ça donne. Faudrait rajouter des dalles là. Là, là, et là, et là. Je dois avoir des... J'en ai là. C'est pas la même couleur, mais tant pis. Je peux les rajouter. Ah, je peux pas. Pourquoi je peux pas? Je ne peux pas. Ok, on va poser des blocs normaux alors. Oh non, c'est la chute. Ah, faudra que je fasse attention à ça par contre. Faudra que je fasse tri attention. Il faut enlever, mince. Tu la fallait pas, tant pis, on y voit mieux comme ça. Et du dessus, ah non, du dessus ça va pas du tout, regardez, ça fait très très chelou. En même temps, pas grand monde regarde la map du dessus. Mais quand même, moi je le sais. Donc va falloir que je trouve un moyen de cacher ça. Avec du bois, hein, ça va pas être super compliqué. Bon. Ce bois là j'en ai pas, du coup, paf 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 paf. Paf. Paf, paf, paf. Là. Et on remet. Ça là. Mais du coup, j'aurais pu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'aurais pas eu assez. Tant pis. Vous voyez? Là maintenant. Je vais aussi casser ça parce que c'est moche. En cobble comme ça. On va laisser comme ça. Même, attendez, ça peut faire pas mal. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Ah oui. Oh, j'approuve. Là, j'approuve. Comme ça, maintenant, quand on monte, il y a 3 blocs de ce côté du portail et 3 blocs de l'autre côté du portail. Du coup, je dois décaler ça de 1. Donc, je mets ici. Alors là, tout est symétrique. Tac, tac. Il y en a un qui est tombé. Tant pis. On a perdu un petit peu de vie. Et bim! Là, ça fait pile les 2 blocs du milieu, de l'entrée. 3 blocs par ici, 3 blocs par là. C'est excellent. Alors maintenant,
Je veux faire 4 socles d'armure en plus. 4 socles d'armure. Alors avec du fer. On n'aura pas assez, il va me manquer un lingot de fer. T'es sérieux? Un lingot de fer. Oh. Et même. Mais qu'est-ce que je dis? Non, parce que moi je voulais en faire 6. Non, non, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut. Sauf que ça se crafte pas comme ça, c'est vrai. Il faut faire des stone slabs. Et là maintenant c'est ok. 1, 2, 3 et 4. Ici, ici, ici et ici. En dessous aussi du quartz. Du coup je vais rapidement chercher du quartz. C'est pas très rare, on le sait. Donc je suis dans le nether. Là je venais d'y aller, j'en ai récupéré 4. Je sais pas pourquoi il me semblait que quand on avait 4 quartz, ça nous faisait 4 blocs. Mais non, pas du tout. Donc là, j'y suis retourné, j'ai qu'un bloc sur 4. Et là maintenant, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, je peux faire les 3 de plus. Donc on remonte, et je vais réapparaître dans la maison de Furious Jumper encore une fois. On a tous les deux apparemment le même portail d'arrivée. Sauf que pour le retour, on revient chez lui, tous les deux aussi. Redodo ? Ok, on va dodo. Yes. On va dodo pour passer la nuit. Eh bien écoutez, 30 secondes, le temps que je rentre chez moi. Je peux même pas courir en plus. Et encore, c'est pas encore la nuit. Ça va. Ça va, ça va. Vous voyez, là, je l'ai posé le bloc de quartz. On peut pas encore dormir. Les trois. Bim, bim, bim. Et là, c'est trop stylé. Regardez, on rentre. On a les armures de chaque côté. Imaginez quand ça sera rempli avec les armures les plus puissantes du jeu. Là, les armures en jade, les armures des autres dimensions à gauche, à droite. Ça sera trop stylé. Plus tard, peut-être, on enlèvera celle en fer et en or, hein, parce que là, pour l'instant, ça gâche un peu par rapport à celle-là. Mais bon, voyez le genre, voyez le truc, ça donne ça. Ça donne ça, notre maison, pour le moment. Voilà. Le jardin, pour l'instant, il est là. Après, bien sûr, on descendra encore un petit peu pour agrandir, pour faire d'autres sections. Eh bien, on se laisse là. On se laisse là. Dans le prochain épisode, on ira dans la dimension de Haven. Ah non, une dernière chose, une toute dernière chose, excusez-moi. Je dois enchanter mon épée, mes deux épées Sharpness 1. Je dois les enchanter. J'ai demandé la permission à Pip d'utiliser son enclume, il m'a dit oui. Donc il n'y a pas de souci maintenant. Je peux me servir une fois de son enclume. Sharpness 1, Sharpness 1. Alors là, ça va faire tellement mal. Déjà que mon armure, elle augmente les dégâts. Alors là, ça va être trop bien. Attention, 4 XP, et là 4, et si on renomme, 11, j'ai combien, j'ai 18, allez on va la renommer l'épée, on va l'appeler Destructorus Rex Manus Tus. Ça c'est du nom, Destructorus Rex Manus Tus, et elle fait... Elle fait 18 d'attaque. Elle a bien Sharpness 2. Oui. Il faudrait tester sur un gros mob. Parce que là, obligé, on va les one-shot tous. Faudrait voir combien ça fait exactement de dégâts. Ça aurait été bien sur les Nezen Jake. Mais bon, faut que je retourne loin dans le Nether. On verra ça sur les mobs de Haven. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, un commentaire et de partager. C'était Golden. Salut tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Salut.